Adedougou, l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, APEC se déploie de nouveau pour une séance de sensibilisation et d'information. Accueillie par la délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, elle s'est adressée cette fois-ci aux acteurs économiques sur les opportunités et les outils à soutenir l'entrepreneuriat au sein des communautés. Yves Rwamba, Claude Ouédraogo et Karim Ouédraogo pour Le Point. Face aux acteurs économiques de la Boko du Mouhoun, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC échange pour une meilleure compréhension du programme. L'APEC, à travers cette rencontre, veut susciter plus d'adhésion à son programme de souscription à l'actionnariat populaire. Nous souhaitons donc que les populations de la région de la Boko du Mouhoun ne puissent pas donc se mettre en marge de cette initiative et nous les invitons vraiment à souscrire massivement pour que l'ensemble des projets qui sont donc ciblés, on puisse donc les mettre en place pour donc le bonheur des populations à la base. Cette initiative, voulue par la délégation consulaire régionale, vise à soutenir l'initiative présidentielle en vue de stimuler le développement économique et social endogène. Nous, en tant que les secteurs privés, c'est un de les différents chambres qui existent dans la région, telles comme la chambre de commerce, la chambre de l'agriculture, la chambre de métier, avec les autres associations qui sont là, n'avaient jugé bon appeler les points focaux régionaux de la PEC pour discuter sur la stratégie de développement de la présidente de Faso. Les autorités régionales ont invité les acteurs économiques de la région à souscrire massivement au programme de l'entrepreneuriat populaire en vue d'atteindre la vision du président du Faso.